Départ de cette dernière course, donc la 8e, 1600 mètres à parcourir avec Jet Parf qui va partir devant, son compagnon d'écurie également, Canary Island, se montre plus à l'aise et va donc se mettre en tête. Canary Island avec Jet Parf, on trouve Great 5-8 en 3e épaisseur. Ruby Spirit s'est calé tranquillement en 4e position dans le dos de Canary Island, suivi de Daredevil Aviator. Sur les barres West Coast Warrior, l'arrière Haiki Supreme Rate Ticket Holder ferme le cortège aux abords du tombeau à l'Arctique. L'avantage donc pour Canary Island, à l'aise devant avec de longueur d'avance sur Jet Parf, Ruby Spirit, Great 5-8, évolue toujours en dehors. Ensuite, eh bien, ça mène Daredevil Aviator à l'extérieur de West Coast Warrior qui suit très bien en 6e position sur les barres. Supreme Rate Haiki. Et à l'arrière, quelques peu sous pression, on retrouve la Ticket Holder montée par Sunil Bassant. Canary Island n'est pas inquiété à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement maintenant. Canary Island qui a l'avantage sur Great 5-8. Ruby Spirit idéalement placé en 3e position. West Coast Warrior également en main. Jet Parf, Daredevil Aviator, un parcours difficile. Haiki qui va tout doucement se rapprocher. Supreme Rate et Ticket Holder qui est lancé franchement maintenant. Les chevaux entament le dernier virage avec Canary Island sous la menace de Great 5-8. Ruby Spirit va chercher l'intérieur. Canary Island avec Ruby Spirit, Great 5-8 à l'extérieur. West Coast Warrior également lancé, mais Canary Island qui a toujours le meilleur. Et Canary Island qui va se diriger vers sa première victoire au Champ de Mars devant Ruby Spirit, West Coast Warrior et les autres. Aucun problème pour Canary Island, monté par Bernard Federbe. Le tout réglé après le départ où Jet Parf est sorti son compagnon d'écurie, mais Bernard Federbe tente lui-même l'aventure. Il prend l'initiative, il se porte en tête de cette épreuve. Dès lors, il contrôle parfaitement les choses pour lancer le sprint final ici et donc garder cette marge de manœuvre pour aller jusqu'au bout de ses ambitions. Canary Island qui ouvre son compteur dès sa deuxième sortie. En tout cas, une victoire plaisante, il faut bien l'avouer, devant donc Ruby Spirit, West Coast Warrior pour la 3e place, Great 5-8 ou High Key.